STV, votre télé. Madame, monsieur, bon après-midi. Nous sommes à nouveau de retour sur ce plateau. Merci de votre fidélité renouvelée. Il s'agit pour nous ici à STV de faire le point des élections sénatoriales qui depuis 8 heures ce matin se déroulent à travers le Cameroun. Il est question pour les 504 candidats, notamment 252 pour les sénateurs titulaires et 252 suppléants, dont 36 dossiers. Ces candidats, donc, vont aller pour se battre, hein, pour essayer d'être élus sénateurs. Le vote d'aujourd'hui va permettre de choisir 70 sénateurs. 9 partis politiques en lice à travers le territoire national. Le matin, sur cette antenne, même entre 10h et 11h, on a fait le point avec certaines régions. Cet après-midi, on va à nouveau repartir sur le terrain à travers nos reporters sur le triangle national qui vont nous faire le point de cette élection-là. Le moins que l'on puisse dire, en matinée, tout s'est déroulé dans le calme. Mais depuis tout à l'heure, on aura certainement le point pour savoir s'il y a eu une évolution sur le plan la sécurité. Avec Peter Saussier, cette émission est évidemment spécialement bilingue. Bonjour Peter. Good afternoon, Peter. Good afternoon, televiewers. Thank you for your renewed confidence on STV as we continue bringing to you special highlights on the 2018 senatorial elections. We are into the second part of our broadcast this afternoon here from our studios in Douala. Earlier in the day, we hooked up with our correspondents across the country who gave us the situation of the elections in some parts of the country. Right away, Peter, we'll take on va some... tout de suite aller du côté de la Menoye. La Menoye, qui, vous le savez, est pratiquement un territoire limitrophe à la région du Sud-Ouest, notamment dans la région, dans l'arrondissement de Mendi, où, semble-t-il, depuis ce matin, le vote ne se déroule pas forcément comme ça a été prévu. Nous avons en ligne pour les détails de cette élection-là notre correspondant local, Simaro Mebengo. Bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce qu'on peut avoir le point des bureaux de vote que vous êtes en train de parcourir? Que se passe-t-il du côté de la Menoye, de Tchan et peut-être des territoires voisins? Aux environs de 7h30 que des hélicoptères militaires sillonnent le département de la Menoye dans l'optique de rallier le département de Libyanem, le département voisin situé à 35 km du centre urbain de Tchan. Des conseillers originaires de cette localité essayant d'effectuer leur droit civique. Il faut dire qu'au rapport de cet hélicoptère se trouvait notamment le ministre Paul Tasson, notamment un conseiller municipal dans la localité de Mendi, et bien d'autres conseillers partis de Tchan en aller-retour par ses avions militaires. Pour ce qui concerne le cas de Tchan, le lycée classique de Tchan, ce dimanche 25 mars 2018, il est 7h30, le décor est planté. Les équipes d'élection de Cameroun sont en place, prêtes pour le lancement des échéances relatives au sénatorial 2018 au Cameroun. Il s'agit ici de l'unique centre pour les 6 arrondissements que compte le département de la Menoye. La journée s'annonce avec une pluie de bénédictions qui vient d'agir d'arroser tout la cité du savoir. Le temps est donné à partir de 8h avec 4 votants dans les bureaux que compte ce centre. Le préfet Balungeli est passé s'assurer du lancement effectif de cet exercice qui permettra aux 186 potentiels électeurs enregistrés pour ce centre de porter le choix sur les prochaines personnalités qu'ils souhaitent avoir dans l'auguste chambre haute que représente le Sénat. Deux bureaux de vote, dont un candidat décédé, d'où 186 électeurs au lieu de 187 initialement enregistrés. Après le passage aux urnes, selon la règle de l'art,
chacun des prévenus vont à rapprocher et dire et satisfaire ou donner les impressions. Pour le compte du Tchang, nous sommes encore aujourd'hui au centre du lycée Classy de Tchang, où nous avons quelques grands électeurs, notamment le maire de la commune de Penka Michel, qui est non loin de nous et qui devrait livrer ses premières impressions en direct même sur les antennes de STV. Monsieur le maire. Alors, c'est Maro? Allô? Oui, monsieur le maire? Allô? Oui, monsieur le maire? C'est Maro, vous nous recevez? Allô? Allô, le studio? Oui, est-ce que vous nous recevez? Allô? Alors, ce qu'on va retenir, hein, Simaro, merci. Apparemment, la... At the Ministry of Economic Planning and Regional Development, Paul Tasson, who was amongst those who were ferried to exercise their civic responsibility across to the west region of the country from Menji. Apart from that, Simaro told us that everything is going on well in Tchang, despite the early winds we started in the morning. Time good enough, we get now to Yaoundé. Tout de suite, on va du côté de Yaoundé. Ce matin, on a pu avoir le point avec nos reporters locaux, Mireille Siabze et la Rinette Apadier, qui se sont rendus sur le terrain et nous ont dit que les 286 électeurs municipaux en vue des élections sénatoriales ont donc commencé à passer. Mais sur le terrain, ils ont pu recueillir le premier stop du directeur général d'Elecam, vous le savez, Abdoulaye Babalé, a dit un mot à la presse, c'était à mi-journée. On va l'écouter, c'est sur cet élément qui va suivre, recueilli par Mireille Siabze et la Rinette Apadier à Yaoundé. J'ai noté d'abord une grande affluence et surtout la discipline de la part de conseillers municipaux membres du collège électoral. J'ai également noté l'encadrement sur le plan de la sécurité et de l'ordre. J'ai aussi constaté que le président du bureau de vote et les membres du bureau de vote procèdent au contrôle de l'identité, à la vérification de la carte d'électeur spéciale pour les membres du collège électoral pour l'élection de sénateurs et ils veuillent. Non seulement à ce que ceux qui ont rempli leur devoir civique signent, mais apposent leur empreinte digitale. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Le scrutin dont il s'agit est un scrutin indirect, c'est-à-dire tous les citoyens ne sont pas autorisés à voter, seuls sont électeurs les membres du collège électoral. Peut être membre du collège électoral un conseiller municipal. Nos impressions sont bonnes dans le déroulement du scrutin sénatorial. Tout se passe très bien. Les partis politiques, les représentants des partis politiques eux-mêmes nous ont déclaré que la démocratie est en marche, que tout se passe bien. Nous sommes presque à un pourcentage honorable et que les observateurs eux-mêmes sont là. Vous avez vu l'affluence. Nous pensons que d'ici 18h, tout va se bien terminer et nous n'avons pas une raison de penser tout. Satisfait ici du côté de Yaoundé entre Abdoulaye Babalé et Nasseri Paul Béa. On va d'abord retourner du côté de la Menois où le préfet de ce département est en ligne avec notre correspondant local, Simaro Mebengo. Est-ce que vous pourriez nous passer le préfet pour ses premières impressions, c'est possible? Oui, bonsoir à le studio. Pour le compte de l'unique centre du lycée classique basé dans le chef-lieu du département de la Menois, nous avons en face de nous, tour à tour, le chef départemental Elecam et le préfet de la Menois. Donc, nous allons recueillir les impressions du numéro 1 de la Menois qui est venu s'assurer du bon déroulement de cet exercice. Monsieur le préfet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur STV et vous êtes venu prendre le pouls du déroulement des élections sénatoriales à Tchang. Alors, quelle impression? Effectivement, nous sommes venus là pour voir le déroulement. Nos impressions sont bonnes. Les élections se passent sans problème. Les électeurs viennent. Je dis en général, ça se passe bien. Ça se passe très bien.
Alors, compte tenu de l'ambiance sécuritaire qui prévaut chez nos frères voisins, quelles sont des mesures qui ont été prises pour le compte de la Ménois? Bonjour, ça va, tout se passe bien aussi, il n'y a pas de problème. In English, monsieur le préfet, un condensé. Thank you very much. I think on a general note, we are come to ensure that the elections are going on well. I think I could assure you they are going on well. On the level of organization, at the level of security, everything is going on well. Merci, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Alors, nous allons également recevoir le chef d'antenne de l'ECAP. D'accord, on vous revient. Le studio. Et le chef d'antenne, pourrions-nous l'avoir? Allô? Oui, peut-on avoir le chef d'antenne également et les camps qui nous disent, qui nous en disent? Nous allons peut-être recevoir un grand électeur. Il s'agit du maire de la commune de Penka-Michel. Non, on va. Merci à vous, hein, Simaro. On va éviter les acteurs directs. Prenons d'abord ceux-là qui sont chargés de l'organisation aussi bien du déroulé des élections pour nous faire le point, ou alors les autorités administratives chargées des questions sécuritaires. On peut l'avoir vu. Le maire de la Ménois, puis associé, semble plutôt positif. Le préfet semble plutôt serein. Yeah, that was the SDO there speaking to our reporter Simon Mebengo on the situation in the Menwa division as well as a nearby Lebialem division where councillors have been ferried to take part in this exercise talking about the 2018 senatorial election. It should be noted that Menji, the town of Menji in Lebialem division, and Chang is just 35 kilometers away, and security officers and administrative officers rather have taken enough measures to ensure councillors of Lebialem division in the southwest region cross over to the west region to exercise their civic responsibility. It's been a week of trauma and threats to some of these councillors coming from that part of the country following kidnappings which have been recorded in recent weeks. We also heard there from the Director General of ELECAM, who gave a midday assessment of the exercise so far. We do hope that we'll have the report of Larinette Pagio also on the situation in Yaoundé later on in the course of this special edition. Alors, après le département de la Ménois, le département du Mfundi, retour ici, hein, on revient dans le littoral, notamment le département de la Sanaga-Maritime, où notre correspondant local, Salmon Béa, a pu observer ce qui s'est passé ce matin tout au long de ces élections. On va prendre le compte rendu qu'il nous en fait dans le reportage qui suit. À 7h30, le ballet des 259 conseillers a commencé pour les 6 partis politiques en compétition. À l'entrée, des forces de maintien de l'ordre assurent la sécurité. À l'intérieur, la sérénité est de mise. Toutes les dispositions sont prises pour que le vote se déroule selon les règles de l'art. Ça sent très bon parce que les conseillers sont partis. Nous avons travaillé pour que les partis soient. Nous avons voté dans un état de patriotisme, état d'esprit du patriotisme. Nous avons fait le vote utile et nous attendons les résultats. J'ai choisi de la bonne manière, c'est-à-dire des gens qui vont, des gens sérieux. Les gens qui s'occupent des problèmes de développement locaux. Hein, c'est ces gens-là qui doivent accompagner désormais les communes. La presse nationale et locale est présente et des interviews et autres conciliabules témoignent du sérieux de l'événement. Je suis content d'avoir fait mon devoir républicain, à savoir de voter, puisque nous sommes les grands électeurs. L'impression est que les choses se déroulent très bien, tel que je vois. J'ai exprimé mon vote dans un état d'esprit de militantisme avéré et dans un zèle renouvelé. C'est aux environs de 11h que le préfet Fritz Dikosso-Sime de la Sanaga-Maritime est arrivé sur les lieux. Avant la clôture et la proclamation des résultats, et au moment où nous quittions les lieux, 90% des 259 électeurs avaient déjà accompli leur acte civique. Évidemment, avec notre correspondant local, on va davantage parler de la clôture des bureaux de vote qui devrait
intervenir autour de 18h selon la loi, parce que c'est de 8h à 18h. Et il y a donc tout également dans la Sanaga maritime, du moins le point des élections qu'on a pu voir tout à l'heure. Tout semble bien se passer selon le reportage de Didier Nabao. On va peut-être faire le point et puis repartir du côté du sud. Exactly. Just as you heard there from the reports in the DEA, everything is going on well. The senior divisional officer for the Sanaga Maritime Division, Fritz Dikoso Seme, was there to ensure that the conduct of the election is hitch-free. And so far, councillors have been voting and exercising their civic responsibilities as they vote senators. It should be noted that six parties are taking part in the senatorial elections here in the Litoral region, and the Sanaga Maritime Division, which is a part of the region, is not left out. Councillors will be voting one of the six lists to represent them in the Senate. That will be some weeks from now. Deputy, just like you said, time good enough, we take our correspondent Martin Lemba in the South region. Martin Lemba dans la région du Sud. On va tout de suite y aller, déjà peut-être en image pour voir comment ça se déroule. Et si jamais Martin Lemba est en ligne, il pourrait nous faire le point. Martin, bon après-midi. Bon après-midi, Dipita. Bon après-midi à tous les spectateurs de la télévision STV. Que peut-on retenir du déroulé des élections à exactement 15h21, puisque nous sommes en direct? Que se passe-t-il dans le Sud? Oui, nous pouvons dire que présentement, nous sommes dans le département de l'Anvila et qu'à l'heure actuelle, nous parlons, le vote est vraiment bouclé dans le département de l'Anvila au lycée moderne et classé de Boulogne, où nous avons enregistré deux bureaux de vote. Dans la situation régionale, nous avons encore, selon M. le délégué régional des élections que nous allons vous passer tout à l'heure, nous avons encore deux personnes que nous attendons qu'elles confirment le vote au niveau final. Nous vous passons le délégué régional de l'Écamp-Sud. Monsieur le délégué, bon après-midi. Oui. Alors, dans l'Anvila, combien d'électeurs, combien de bureaux de vote et comment ça se déroule depuis le matin? Oui, la région du Sud, au total, compte 7 bureaux de vote. À ce moment, sur les 7, 5 ont effectivement déjà bouclé leur scrutin. Pas clôturé, mais bouclé parce que les électeurs ont déjà achevé leur droit de vote. Il nous reste deux départements, notamment l'Océan et le Diaye-Logo, où il y a encore deux électeurs qui ne se sont pas encore exprimés. Donc, à ce moment, je crois que tout se passe plutôt bien. Nous attendons la clôture effective qui interviendra à 18h pour faire le décompte des voix. Quels sont les partis politiques qui étaient en lice chez vous là-bas? Nous avons trois partis politiques qui étaient en lice dans le Sud. Le RDPC, l'ANDP et l'UNDP. Donc, tous les observateurs sont là. Tous les partis politiques ont été effectivement représentés dans les 7 bureaux de vote. Et comme je l'ai dit tantôt, nous attendons la clôture à 18h en attendant les deux électeurs qui manquent à l'appel dans le Diaye-Logo et dans l'Océan. Après 18h, que se passe-t-il? Que feriez-vous toute la suite, pour la suite du processus? Allô? Oui, allô? Oui, après 18h, que prévoit la suite du processus? Nous, dès que la clôture arrive à 18h, nous allons commencer le dépouillement et juste après le dépouillement, les procès-verbaux devront être acheminés selon la loi électorale vers la région, qui devra à son tour les acheminer vers la commission régionale de supervision, qui prendra le relais. Et après les travaux de la commission régionale de supervision, les résultats seront acheminés vers la commission nationale de recensement, et pour être finalement acheminés vers le conseil constitutionnel pour la clôture. 15 jours, c'est voilà ça le délai. À peu près les différentes étapes qui nous restent en ce moment. Merci, hein, merci à vous, monsieur le délégué. Bonne poursuite de ce processus. Je vous remercie. Martin Lemba? Oui, c'est ça. Ben, on va également vous dire merci. Merci. On espère avoir plus de détails dans nos éditions d'information dès demain, peut-être déjà ce soir, puisqu'on va terminer la soirée entre 19h et 20h, mais certainement que demain, vous ferez le point définitif. Merci à vous. Pitance aussi. Merci également.
Exactly. Just like we heard there from Martin Lemba, our correspondent in the South region, voting is almost ending in polling stations across the region. The regional delegate of Elecam of the South region just told us that five out of the seven polling stations are already wrapping up with the voting process, except for the Ocean Division and the Jal and Lobo Divisions, where two councillors are yet to exercise their civic responsibilities. The PDM, the ANDP, as well as the NUDP are contesting for seats out there in the South region of the country. And according to the regional delegate of Elecam, who sounds very optimistic, everything should be wrapped up by 6 p.m. this evening for due process to begin. Voilà, on poursuit cette tranche spéciale consacrée aux élections sénatoriales à travers le Cameroun. Il s'agit pour les 360 communes de mobiliser leurs conseillers municipaux afin de choisir par vote indirect les prochains sénateurs. Le Sénat, depuis 2013, va donc être renouvelé pour la deuxième fois de l'histoire de notre pays. Et c'est l'occasion aujourd'hui donc à tous ces électeurs sénatoriaux, conseillers municipaux par ailleurs, de choisir les 70 sénateurs qui vont être élus, en attendant bien évidemment les 30 autres qui seront désignés par le président de la République. Depuis ce matin, donc, on a fait le point de quelques régions. On va attendre peut-être le signal de Bafoussam. On va tout de suite dans le département de la MIFI, peut-être Flore Kenyé ou Alexis Bémo. Bon après-midi. On vous reprend comme c'était le cas le matin pour faire un nouveau point. Bafoussam? Alors, on va attendre un nouveau signal. Si on peut aller peut-être à Garoua, on n'y était pas le matin. Garoua, Bertois, Ngaoundéré, ce serait certainement bien si nos correspondants sont déjà en ligne. Mais il y a également les images de Yokadouma qu'on peut découvrir, hein, puisqu'on a eu quelques informations qui nous parviennent de ce côté. Allô. Oui, bonsoir Flore, bon après-midi. Oui, bonsoir, bienvenue une fois de plus dans la ville de Bafoussam. À 11h50, à l'instant, ma chère dans le bureau de vote de Kouman a donné lieu à la suspension des élections. À Bandjoun, dans le département du Sud, sur le transparent, a enregistré son premier bulletin à 11h05 sur les électeurs des trois arrondissements du Sud sont arrivés en masse. Et bien, à 13h, ils sont repartis. Et c'est bien le roi Bandjoun qui est arrivé sur les élections. À sa tête, en fait, côté de Baham, une a été à sa tête, en fait, c'est le de la à partir de voir en allant également de dans le projet de vote de Tiana. Alors, Flore. Allô, Flore? Ah, c'est vrai que la qualité... Flore? Having network issues. On peut dire que la communication avec Bafoussam n'est pas des plus agréables. Hein. J'aurais bien voulu rebondir avec vous, Flore, si elle est toujours en ligne sur les motivations. Elle annonce une suspension du processus dans un bureau de vote. Si on peut retourner à Bafoussam, hein, ce serait bien essayer de stabiliser peut-être la communication du côté de Bafoussam. On va y retourner d'un moment à l'autre pour savoir exactement ce qu'il en est pour cette suspension, qu'on nous en donne les détails, les raisons pour lesquelles ceci est arrivé. Si surtout, si le processus s'est poursuivi, puis associé, c'est peut-être avec Mendy ou un dispositif spécial. Flore, vous êtes en ligne? Oui. Alors Flore. En un mot, que s'est-il passé pour suspendre? Vous avez annoncé tout à l'heure une suspension du processus dans un bureau de vote. Je ne vous écoute pas,
Vous m'entendez mieux maintenant? Allô, Flore, vous m'entendez mieux? Alors, que s'est-il passé pour que le processus soit suspendu dans le bureau de vote que vous avez annoncé tout à l'heure? Vous indiquez le bureau de vote et vous nous dites exactement ce qui s'est passé là-bas. Allô? Alors, vous me recevez, Flore? Oui. Voilà. Que s'est-il passé pour que le vote soit suspendu du côté de la MIFI dans un bureau? Vous nous dites exactement ce qui s'est passé. Le vote, c'est à Fumban, ah, c'est pas dans le département de la MIFI. Alors, c'est plutôt dans le département du Nul. Et que s'est-il passé? Il y a eu un votant qui a signé à la place d'un autre. Et les autres partis politiques ont exigé que le directeur soit changé. Donc, pour l'instant, le vote est suspendu de ce côté. Oui. OK. On attend d'avoir jusqu'à 14h30, c'était le cas. Dans tous les cas, vous allez rester en veille. Vous allez garder une oreille sur Fumban pour faire la veille. On pourra vous reprendre peut-être à 19h, hein, parce qu'entre 19h et 20h, on aura encore une émission spéciale. Vous allez nous faire précisément sur ce bureau de vote-là les détails de ce qui se passe. Merci et bonne continuation, Peter. Well, it's not all too good out there in the West region as voting has been suspended at a polling station in Fumban, chief town of the Nun division, following some irregularities which has led some opposition political parties to demand that the director of that polling station be changed before voting continues. That is the lone irregularity coming from the West region of the country. In the MIFI division, where the chief town, Bafoussam, is located, the voting has been going on hitch-free as authorities confirm that everything is moving well. Now, we now take you to the Northwest region to get now a renewed update on the situation out there. Ignatius Amabo is joining us on the line to Bamenda. Amabo, welcome to join us. What is the latest? Hello, Ignatius. The town is calm. Most of the voters that were expected have driven here to no business. We are waiting now, any moment from now, campaign will commence. The governor was here and actually appreciated the exercise so far. The forces of law and order are here, so the GBHS Bamenda Square is surrounded. We're overtyped, we heavily tied security. And before we left town, because we had to go for a small break, the city of Bamenda, as motor bikes were banned, the taxis were flowing, you know, transporting people. It is somehow a little bit difficult because everywhere is closed. Take note of the fact that Peter today also was Palm Sunday. And due to these elections and the ban of movement of, you know, transporting of persons from one division to the other, situations in the city looks a little bit timid. But as for the elections, we're just waiting any moment from now when counting will commence and we will know exactly the flag bearers for the, you know, these elections. Thank you very much. Amabo, do we have any indications from other neighboring divisions in the Northwest region? The governor has gone down to Benue. I just talked with the chief of cabinet who accompanies, you know, the governor to Benue. Inside one of the polling rooms, they discovered a CCTV camera that was placed overnight. A kind of a sharp counselor just saw him this morning and they had to dismantle it. They have security measures and taking charge. They are taking care of that to go and see exactly what they have recorded so far. But nobody has claimed responsibility as per my discussion with him for coming to put that camera there. Or what actually the camera is there for the purpose that nobody knows as of now. But in the days ahead, maybe before tomorrow, we shall be coming with that report to know exactly
who put the camera and what for. As of now, in Belo, also news are coming that two councillors, because of threat of life, boycotted the election so far in Belo. So we're just waiting. At the end of the day, we'll know definitely, because this is a particular concern of a group of people who are voting the councillors. So it is easy to know those who are voting and those that actually have boycotted. At the end, we shall be coming up with that. All right. Thank you very much, Ignatius, for those updates. We'll for sure be getting to you probably in the evenings to get the final developments of events. Well, Dipita, rapidly, we go up north to Garoua to get our correspondent who is already on standby. Alpha Maru, bon après-midi. Nous sommes bien à Garoua. On va essayer de faire le point de ces élections du côté de Garoua. Alpha. Est-ce que Garoua est en ligne? Alpha, bon après-midi, vous avez l'antenne, vous nous faites le point. Allô, studio? Oui, allez-y, hein, vous pouvez faire le point. Vous êtes à l'antenne, Alpha, allez-y. Oui, allô, studio. Nous sommes ici dans la région du Nord. Vous étiez dans la région du Nord. Nous avons enregistré 667 votants pour le compte de toute la région du Nord. Précisément, pour le cas de la Bénin, nous avons enregistré 367 votants. Alors, à 7h30, le décor a été planté. Les dispositifs Vélicam étaient là. L'ambiance régnait déjà. À 8h, les conseillers étaient déjà en place. Alors, le préfet a fait un tour pour voir le déroulé de la cérémonie. Alors, tout s'est bien passé. Ensuite, les conseillers sont passés au vote. Il n'y a pas eu de perturbation quelconque. Merci, Alpha. On peut retenir que tout se passe bien du côté de la région du Nord à 7h6 à 15h38. Alors, pour plus d'informations, je vais vous passer le délégué régional Amadou Sadio, le délégué régional de l'ICAM. Merci. Amadou, bonsoir, monsieur Sadio. Bon après-midi. Alors, je vous le passe. D'accord. Monsieur le délégué. Allô? Oui, Amadou Sadio, bon après-midi. Vous êtes en direct sur STV. On fait le point des élections, notamment dans votre... Dans vos bureaux de vote, combien de bureaux de vote y avait-il? Combien d'électeurs? Quel est le point qu'on peut faire à 15h38 des élections dans votre circonscription de compétences? Il y a 5 bureaux de vote dans la région du Nord, avec 667 électeurs inscrits. Tout s'est bien passé. À l'heure où nous sommes, il reste 3 électeurs qui n'ont pas encore voté. Combien de partis politiques en lice? Il y a 3 partis politiques, le FSNC, le RDPC et l'UNDP. Merci beaucoup, hein. Merci à vous, beaucoup de courage, bonne continuation. On va certainement vous avoir à nouveau pour faire un autre point de la situation. Merci. Alpha, merci également. Bonne fin, bonne suite de l'après-midi. On vous reprendra probablement en soirée pour avoir le point définitif à la clôture des bulletins de vote. Et vous nous dites, Peter, qu'on va certainement du côté de Yaoundé. Yeah, we are taking you now to Yaoundé to have this report on the conduct of the elections. It's done for us by our correspondent, Larinette Apaji. ...2018 senatorial election, 286 municipal councillors for the Fundi Division, Central Region, are expected to cast their votes in favor of either of these lists presented by 3 political parties. For the first male and female municipal councillor who started the voting process, it is satisfactory to have fulfilled their civic duty. I'm very happy. I'm feeling fine because I finished my work. I'm a councillor and I vote for my party. I finish. Everybody's work fine. It's good there. I took my transport and now I go back to my home. The mayor of Yaoundé Municipality, Amogunuma, made her entrance into the polling station
The government bilingual primary school Bastos with all of her municipal councillors. I am very happy. I did that I had obligation to do. They give me my my money. Polling stations are not jammed up. Everything is perfect. The governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, accompanied by the senior divisional officer of the Mfundi Division, Jean-Claude Ntila, as well as all seven divisional officers, have visited the voting site to make first-hand appraisal of the election. Election observers are also on site in their numbers. However, some municipal councillors have complained of the queue which is formed due to the procedure of the vote, but the Director General of ELECAM, Abdoulaye Babale, insists the administrative procedure for voting must be respected according to the law. Lineta Pajia-Bongwa there with that report on the conduct of the elections in the nation's capital, Yaoundé. The Director General of ELECAM, Abdoulaye Babale, at midday gave an assessment of the situation, and he is expected to give the final assessment of the situation after 6 p.m. De retour, du moins, on va aller du côté de l'Est. La région de l'Est, notamment à Bertois, avec notre correspondant local, Joseph Kemenye. Bon après-midi, Joseph, si on peut faire le point. Bonsoir. Alors, comment se déroule le processus électoral pour le vote des prochains sénateurs de la République à partir de Bertois, notamment, je présume que vous êtes à Bertois. Faites-nous le point. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Bonsoir à vous là-bas en studio. À Bertois, en ce moment, c'est très tôt ce matin que les sénateurs, les conseils municipaux, du moins, ils sont venus des quatre coins de la région, ont convergé dans les différents chefs-lieux de département pour accomplir leur devoir civique. Et particulièrement à Bertois, c'est le lycée scientifique de l'Office bilingue de Bertois qui est l'unique centre de vote. Et à ce niveau, c'est environ 93 conseils municipaux venus de 8 arrondissements du département du Lomé-Djérém qui ont pris part à ce vote. Du moins, ils sont arrivés très tôt ce matin. Ils ont pris d'assaut le campus du lycée bilingue de Bertois, où tout le dispositif était déjà mis en place par ELECAM. De ma mémoire de journaliste que je peux convoquer à cette occasion, je dirais que c'est un pari gagné pour ELECAM. Le dispositif était déjà prêt, les urnes étaient prêtes, les observateurs nationaux et internationaux étaient sur le terrain, les différents partis politiques étaient déjà là, les représentants ainsi que ceux de l'administration. Là, préparé que le préfet du département du Lomé-Djérém, Bertrand Aoufat, est quand même arrivé à mi-journée sur le lieu pour apprécier le déroulement et surtout la qualité de l'organisation de l'ECAM. Les forces de l'ordre ont quadrillé la quasi-totalité du campus afin de parer à toute éventualité qui puisse nuire au déroulement du scrutin. Je vous dirais que tout se passe, se déroule très bien. Il n'y a aucun incident. C'est vrai qu'il y a des grincements dedans, les ondes, les conseils municipaux, du moins de certains partis politiques qui ont accompli leur devoir de vote pas très très dans la gaieté. Ça, ce sont des problèmes internes des partis politiques. Mais dans l'ensemble, je dirais que tout se passe bien à Bertois. Les informations reçues venant de l'intérieur de la région, la situation est la même dans les quatre départements que compte la région de l'Est. Au total, donc, pour ce résumé, c'est environ 804 députés conseillers municipaux qui devraient voter les futurs sénateurs. Bon, ben, c'est 803 qui devaient prendre part parce qu'il y a un qui a été déclaré décédé du côté de Bellabo. Cinq bureaux de vote ont été ouverts, notamment un à Bertois pour le compte du Lomé-Djérém, deux à Abomban pour le Pognon, un à Yokadouma pour la Bumba Ngoko et enfin un autre du côté de Batoury pour la KDI. Merci à vous, Joseph Kemonye, Pete Associé. On fait le point. Yes, just as you heard from that input by Joseph Kemonye, five polling stations begin operation in the east region of the country as 803 councillors begin.
began casting their votes since morning. It has been a very impressive job by the elections management body, ELECAM, in that part of the country, as the votes are going on hitch-free, though our reporter noted some irregularities at the level of internal infighting within some political parties. But he said that has not done anything to jeopardize the conduct of the elections in general in the east region of the country. So far, voting has been going on hitch-free, and ELECAM officials will enter the next phase after voting ends at 6 p.m. this evening. Effectivement, on va rester dans la région de l'Est, hein, notamment. On va tout faire pour avoir le délégué départemental de la Boumbaye Ngoko, Landry Alima. Dès qu'il est en ligne, vous nous feriez signe pour faire le point dans ce département-là. On vient d'écouter Joseph Kemonier, qui a évidemment invoqué sa mémoire de journaliste, un peu d'émotion quand même. Évidemment que dans l'ensemble, tout semble bien se passer. Landry Alima, bon après-midi. Monsieur le délégué. Le délégué de la communication pour la Boumbaye Ngoko. Je suis en ligne, vous m'écoutez? Nous vous recevons 5 sur 5. Allô? Est-ce qu'on peut faire le point dans la Boumbaye Ngoko, s'il vous plaît, pour ces élections sénatoriales? Pour ce passage dans la Boumbaye Ngoko, effectivement, le vote, puisque je sors de là, est terminé ici. Il y avait que 105 conseillers municipaux venus des 4 arrondissements que compte le département de la Boumbaye Ngoko. Et depuis 12 ou 13 heures aujourd'hui, le vote s'est achevé à l'heure qu'il est. Les observateurs et tous les membres de ce bureau de vote du BT classique de Yokadouma, qui a été choisi pour abriter le bureau de vote, attendent l'heure du dépouillement qui est 18 heures. C'est vrai que quelques membres de l'UNDP grincent un peu les dents. Ils disent avoir été confrontés à la difficulté de tenir un meeting aux conseillers municipaux. Vous le savez, la région de l'Est, notamment dans la Boumbaye Ngoko, a des conseillers municipaux RDPC, et les membres de l'UNDP disent avoir été confrontés à cette difficulté. Ils ont programmé un meeting, je ne sais pas pourquoi ni comment. Le 24 mars, vous le savez, qui était un jour réservé à la célébration de l'an 33 du RDPC. Mais bon, il dénonce également le paiement de frais de transport au sortir des urnes, parce qu'on le faisait dans une autre salle de classe à côté, certes, mais les scrutateurs UNDP prennent cela pour de la corruption. Mais on nous a fait savoir que c'était des fonds qui sont réservés à tous les conseils municipaux du Cameroun pour des transports, parce que beaucoup sont partis des arrondissements assez loin pour rejoindre les chefs de département où doivent se tenir les élections. Donc, à l'heure qu'il est, tout s'est bien déroulé, outre cette récrimination de l'UNDP, mais tout s'est bien déroulé. On attend que 18 heures pour le dépouillement. Merci à vous, Landry Alima. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental pour le ministère de la Communication dans le département de la Boumbaye Ngoko. Cette communication particulière, vraiment merci de vous être mobilisé pour apporter un peu plus à nos téléspectateurs. Je rappelle, et vous l'avez d'ailleurs dit, que tout s'est déroulé au lycée classique de Yokadouma, où les électeurs, donc conseillers municipaux, sont partis de Mulundu, Salapoumbe, Gari, Gombo pour se dévoués à leurs obligations et même à leurs droits d'électeurs pour choisir les conseillers, ou du moins les sénateurs de la République. Merci, on espère vous avoir peut-être un peu plus tard également pour faire le point. Maintenant que tout s'est complètement déroulé là-bas, vous le dites, après 18 heures, on aura peut-être à nouveau votre témoignage du vu et entendu dans ce département-là. Yes, Dipita, time good enough. We come back here in the economic capital, Douala, to take the pulse on the elections. Should be noted that in Douala, the voting center is the Alfred Seka College, where we have indications that voting is closed and counting is about to begin. Veronica Aji joins us on the line from College Alfred Seka.
Veronica Aji, good afternoon. Thanks for joining us. Well, our producers tell us that Veronica Aji is not yet ready. Peter, probably we look at other correspondents. Ben effectivement, que ce matin, on avait déjà fait le point du côté du collège à Fressacquet. Probablement qu'à cette heure-ci, tout doit s'être déjà déroulé. Yep. Il était, counting is about to begin. Voilà, c'est 253 conseillers municipaux. Donc, on va peut-être attendre 18 heures quand même pour sanctionner définitivement la clôture des bureaux de vote. On va se référer désormais à Makeda Ledignotom qui assure l'édition de cette émission spéciale pour savoir de quel côté de la République on va aller pour avoir le point de ces élections sénatoriales. Les sénateurs 70 qui seront élus donc aujourd'hui auront un mandat de 5 ans, 2018-2023. Sous-entendu que les 30 autres, vous le savez, le Sénat compte 100 membres. C'est la chambre haute du Parlement camerounais. Les 30 autres seront désignés dans un avenir proche par le président de la République. Mais bien sûr, à l'issue de ce processus de vote, qui, comme vous le savez, va être sanctionné par le constat de la Cour constitutionnelle désormais, qui est chargée de donner les résultats définitifs des élections au Cameroun, de s'occuper du contentieux pré- et post-électoral. La Cour constitutionnelle a donc 15 jours pour donner les premiers résultats, et certainement avant le contentieux et les déclarations finales. On va peut-être avoir encore un ou deux correspondants sur la conduite de Stéphane. Veronica is just confirming that counting has already begun at college. Alfred Seker, where the counting is already going. Now, let's join Clarice Ekowe. Clarice Ekowe has been in Limbe this morning. Clarice, you're joining us from the southwest region of the country. Can you give us an update of the election so far? Has voting ended? Hello, Clarice. Well, we shall be hooking up with Clarice Ekowe, our Southwest regional correspondent, who will be joining us anytime from now to give us the pulse of the senatorial elections in that part of the country. The team was earlier in Limbe. We do hope that maybe they might have information also about Boya, chief town of the Southwest region. Clarice Ekowe, if you are online, can you please tell us if voting is closed so far? Pas moyen d'avoir Limbe, Boya. Non, du tout. Alors, Peter, il nous reste environ 5 minutes. Hein. On peut dire que on va peut-être aller sagement vers la fin de cet autre programme spécial. Pour dire que dans l'ensemble, excepté peut-être Mendy, yes, où des dispositions un peu plus particulières ont été prises pour permettre aux conseillers municipaux de voter, des hélicoptères de l'armée ont été mobilisés pour faire voter ces électeurs. Vous savez que la situation là-bas est relativement tendue depuis quelques semaines déjà. Et le ministre Paul Tasson, d'ailleurs, dont notre correspondant nous disait qu'il était par ailleurs conseiller municipal, a également procédé à son devoir de conseiller municipal pour choisir les prochains sénateurs. Yes, Deputy, maybe a roundup before we leave. We just got from our correspondent Ignatius Amabo in Bamenda that two councillors did not come for the elections in Bello in the Northwest region, where a CCTV camera was discovered in one of the polling stations, and security officers are working on it to fish out those who might have planted that camera in a polling station in that part of the country. In Menji, special security measures were taken to ensure that councillors vote in a more secured environment following tensions that were recorded in recent weeks. In the south region of the country, five polling stations have already ended the voting process, and just two, talking about the Ocean Division and the Ja and Lobo Division, where voting is expected to close anytime from now. It's been a relatively very secured election across the country, except for a few hitches, which on the part of Elekam has been very solid. Time good enough. We shall now cross over to
Kumba. Kumba also, which is another volatile part of the Southwest region, where Marcel Itoue is joining us on the line. Marcel, good afternoon. What is the update? Welcome back to Kumba. All is still moving well here in Kumba, with only 7 councillors expected to see vote. We have only 7 remaining councillors to cast their votes here at the Kumbambeng polling station, the only polling station that we had in Kumba in the Meme division. Meanwhile, the report getting us from the Dian division, where 223 councillors were supposed to vote at the government nursing school in Dimba town, with 2 police stations. The first police station A, where 106 councillors were supposed to vote already, 93 councillors have already voted. The only major problem that was noticed in the Mudimba elections were the massive absence of councillors from the Umebalwe Council, with only 5 councillors representing the council area. Apart from that, voting is reported to be moving on well there in Dian division. Meanwhile, in Dian, polls are supposed to be closed by 4 o'clock, while we are still waiting till 6 p.m. Everything is all well, no problem is reported in both Dian and the Mudimba division team now. All right, thank you very much, Marcel Itoue, for that update. Just a wrap of the situation in Dian division, where there have been the absence of councillors from the Dikome Balwe Council who did not answer present, but so far 93 councillors have voted in Dian division of the Southwest region. Part of that, the other councillors from the councils of Dian division came out in their numbers. All right, thank you very much, Marcel. Vote for the elections. All right, thank you very much. Yeah. Alors, on va mettre un terme à cette autre édition spéciale consacrée aux élections sénatoriales qui, depuis ce matin à 8 heures, se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Mais à 7 heures, on peut le dire, du moins, c'est ce qui ressort des différentes interventions que nous avons pu avoir de nos correspondants, mais également de Landry Alima, le délégué départemental pour la communication dans le département de la Bumba-Ngoko. À 7 heures, pour l'essentiel, la plupart des conseillers municipaux ont déjà voté. On n'attend plus que 18 heures pour sanctionner la fin véritable de ce processus-là. On peut également dire que dans l'ensemble, les choses semblent bien se passer, excepté à Mendi, où le vote se déroule, mais dans des circonstances particulières. À Bamenda, deux électeurs communaux ou alors conseils municipaux ne se sont pas déplacés. Mais on peut le dire, c'était vraiment pas la mobilisation générale parce que c'est un vote indirect. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Madame, monsieur, à vous merci d'avoir regardé à nouveau cette autre édition spéciale. On revient à 19h. On va faire un dernier stop ce soir entre 19h et 20h. Et cette fois-là, on aura des invités, un candidat sénatorial, Sambaka, vice-président de l'UDC, un électeur sénatorial, Abel Elimbi Lobet, conseiller municipal à Douala 5e, et Hervé Emmanuel Combe, qui va représenter le RDPC. Ce sera entre 19h et 20h. Bonne suite et bonne fin de l'après-midi. À plus, Peter. Yeah, we shall be coming back at 7 o'clock for an analysis of the situation. We shall be having our guest, Sambaka of the CDU. We shall also be having Elimbi Lobet, as well as Hervé Emmanuel Combe, not leaving out Francis Aya, who will be joining us to talk about the conduct of the senatorial elections. So far, the time check is 7 p.m. this evening for the last phase of this special broadcast on the senatorial elections. We do invite you to join us and stay tuned to programs on STV. Good afternoon. STV, votre télé